Et maintenant, vous aviez raison aussi, le taux d'occupation des prisons est à 120%. 80 000 peines non appliquées. Alors, 80 000 peines chaque année. Non, mais il y a surtout 73 000 détenus aujourd'hui qui n'ont pas été jugés, donc ils sont présumés innocents. Il y a aussi une solution, c'est qu'un quart des détenus sont étrangers, donc on peut aussi songer à ça. Pour des raisons de sans-papiers, madame, pour des raisons, l'essentiel, c'est parce que... On peut les renvoyer chez eux et de tout de suite, on aura beaucoup plus de place pour les casseurs. Vous savez, c'est combien pour les... Ça, c'est une vraie idée qui est souvent avancée par le Rassemblement National ou par le... Non, mais attends, je dis pas que c'est faux. J'explique juste que c'est une idée qui est beaucoup avancée par le Rassemblement National ou par Éric Zemmour, de dire, déjà, renvoyons chez eux les étrangers qui sont dans nos prisons, ça fera de la place. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, Zisseni? Au cas par quoi, évidemment. Si une personne n'a pas de documents et qu'elle est sur le territoire, elle est amenée à... Qui a commis des actes de délinquance et qui est condamnée, quand elle sort, on la renvoie chez elle. Si elle n'a pas de documents, évidemment. Oui. Est-ce que je suis pour la double peine? Non. Bah oui, mais c'est ça la double peine. Non, c'est la double peine. Je ne suis pas pour la double peine. On parle de quel étranger? Vous parlez de quelqu'un qui n'a pas de papier et qui n'a pas vocation à rester sur le territoire? Ou est-ce que vous parlez de quelqu'un qui a une carte de séjour, qui est établie, qui fait une bêtise, qui a été reconnue par la loi et quelqu'un qui a une carte de séjour? Non. Qui commet un crime? Non. On la laisse en France? On le laisse en France. Ah bah super, et ben on garde aussi comme ça toutes les prisons pleines, et puis toutes les femmes qui seront violées pourront peut-être... Oui, bien sûr, et qu'ils mangeront les bébés. Évidemment, encore une fois, Il y a des cas à la Perlola, c'était ça, monsieur, c'est parce que les OQTF n'ont pas été appliquées, ça aurait pu être évité, donc ne riez pas avec ça. On l'expulse où le... Non, je ne ris pas avec ça. Dans son pays d'origine, c'est très simple. Non, mais si on avait un peu de courage politique, on y arriverait. Il y a d'autres pays qui y arrivent très bien, nous on n'y arrive pas. La Suisse y arrive très bien, par exemple. On fait quoi des violeurs qui sont à Marrakech sur les pédophiles? Est-ce que le Maroc les renvoie en France? Vous avez déjà entendu parler de ça? La réciprocité. Regardons chez nous, parce que ça c'est important. C'est très important. Est-ce qu'une personne qui est en situation régulière, qu'on accueille sur notre territoire, on lui dit tu as le droit de rester, bienvenue, qui commet un crime, je parle d'un crime, je ne parle pas d'un vol, ne vole pas une barre de main à Mars dans un supermarché, qui commet un crime, quand elle sort de prison, elle a le droit de rester en France. Et le droit à la présomption, s'il paye sa peine, ce qu'il a fait et qu'il sort de prison, il peut retourner dans la société, il peut se réintégrer, il peut se racheter, il peut retrouver un emploi, etc. Si vous avez tué quelqu'un, excusez-moi, vous n'allez pas rester dans ce pays, parce que qui a tué une fois, peut-être pas à coup sûr, mais peut tuer deux fois. Oui ou non? Je ne suis pas d'accord avec vous. Quelqu'un qui fait une bêtise. Mais c'est pas une bêtise, tu es quelqu'un. Mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Qui commet une bêtise, un crime. Ne dites pas bêtise, crime. Moi, je ne parle pas de bêtise, je parle de crime. Dites ce que vous voulez. Un crime. Je ne serai pas d'accord avec vous. Un crime, il va en prison, il paye. Il sort, il a le droit à la raison. Et on continue à lui dire, t'es bienvenu chez nous. Il a le droit. Excusez-moi. Des mères de famille, vous allez casser. Mais ça, c'est un qu'il a la faire chez lui, sa rédemption. Ces gens ont brisé des vies. La petite Lola, elle reviendra jamais. Sa famille s'en remettra jamais. De quoi vous parlez de double peine? Qui aujourd'hui a la double peine, monsieur? Qui aujourd'hui a la double peine? Écoutez. Vous êtes hallucinant, franchement, c'est scandaleux ce que vous dites sur ce plateau. Ça peut être dire qu'on peut garder une femme violée. Qui a la double peine quand elle recroisera son violeur en bas de chez elle parce qu'il sera sorti grâce à vous? Ce que vous dites là, c'est quelle que soit l'origine de l'individu. Non, c'est pas pareil. C'est ce que vous dites qui a été accueilli chez vous. Les natifs qui ont violé des femmes, on ne peut pas les renvoyer. Ceux qui sont ici, qui sont des étrangers, qui ont violé une femme, on peut les renvoyer. Voilà la différence. Et on permet aux victimes de s'en remettre plus facilement. Pour voilà moi, la différence. Il n'y a pas de distinction de droit. C'est un homme et vous n'avez pas peur dans la rue pour dire ça. Il n'y a pas de distinction de droit entre quelqu'un qui a un titre de séjour et quelqu'un qui est français. Parce que vous pensez aux criminels, jamais aux victimes. Non, mais bien sûr, c'est pas pareil. Je dis pour moi. Mais c'est pas pour vous. Je sais que vous êtes tous d'accord ici et je sais que vous avez une idéologie. On n'est pas obligé. On n'a pas une idéologie, oui. Sur ce point, on a en tout cas l'idéologie. Vous êtes quatre, je peux en placer une, je dis simplement que je suis contre la double peine et que quelqu'un qui a commis un crime, une bêtise, bref, un crime. qui a
qui est contrevenu à la loi, qu'il aille en prison, qu'il purge sa peine et qu'il sorte et qu'il ait. Je le redis encore une fois, vous mélangez tout, parce que vous dites juste qu'il a contrevenu à la loi. On ne dit pas qu'il a brûlé un feu rouge. Je vous parle de contrevenu crime. Contrevenu à la loi. Non, non, mais moi je vous parle de crime. C'est ce que je dis. C'est un crime, c'est pas contrevenir à la loi. Parce que ça englobe tout. Ah, d'accord. Non, mais vous englobez tout. Parlons crime. Évidemment. Dites le mot crime. Quelqu'un a commis un crime. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous entendez. Il peut rester là. Jean-Marc, écoutez. Il peut rester là. Oui, il peut rester là. Si ça peut. Enfin, je veux dire, si c'est la première fois, par exemple, que c'est arrivé... Ah ben oui, au bout de deux crimes, on pourra peut-être le renvoyer, oui, effectivement. Bien sûr, c'est ça, au bout de deux. Notre différence, c'est que vous ne croyez pas en l'homme, moi j'y crois. Non, je vous dis juste que c'est quelqu'un qu'on accueille chez nous. Je vous dis que c'est quelqu'un qu'on accueille chez nous, enfin. À se réintégrer. Je crois à cette capacité. Mais qu'il va se réintégrer chez lui. Excusez-moi. Et s'il a sa femme, ses enfants en France, etc. Vous pensez pas aux Bien victimes. Sûr, il faut penser non, aux victimes. Vous pensez pas les aux premières, victimes. Évidemment, mais là, on vous est sur un autre toujours. Sujet. Vous c'est vous qui mélangez les deux. Là, on est en train de parler du criminel. Mais on n'est pas en train de parler de la victime. Si vous m'interrogez sur ce qu'il faut faire pour les victimes, j'ai aussi mon avis. Si quand Jean-Marc le dit, vous avez tué quelqu'un, excusez-moi, vous ne pouvez pas rentrer... Mais tuer comment? Tuer homicide volontaire, homicide involontaire, que tuer comment? Vous êtes juge. Non, mais je vous, vous êtes juge, mais faites confiance. Vous commencez l'émission en disant il faut faire confiance à la justice, et puis maintenant, vous vous mettez à la place d'un juge. Je vous écoute. Non, parce que ça n'existe pas. En fait, la double peine n'existe plus, donc ce qu'on appelle la double peine. Jean-Marc a été très clair sur un crime volontaire. Alors, je vais vous le mettre. Est-ce que c'est un crime volontaire ou un viol d'enfant? Qu'est-ce que vous faites? Vous le gardez? Silence. Répondez-moi. C'est à moi que vous posez. Oui, ah oui, c'est pas Jean-Marc. Un viol d'enfant, un crime volontaire avec torture, disons-le, parce que ça arrive quand même. Même sans. Voilà. Même est-ce qu'au bout de la fin du titre, est-ce qu'au bout de la fin du titre de séjour, vous renouvelez le titre de séjour? Excusez-moi, les postures, elles me font sourire. Vous êtes membre du groupe UDI. Ouais. Est-ce que vos députés ont déposé un amendement pour changer la loi? Répondez à ma question. Mais, vous avez un groupe à l'Assemblée nationale. Non, il n'y a plus de groupe UDI. Il n'y a plus de groupe. Non, je ne suis pas au courant. Attendez, la question, c'est celle que je vous posais. Est-ce qu'encore une fois, vous allez me répondre? Quelqu'un qui a un titre de séjour, donc quelque chose de provisoire, d'accord, et qui a violé une petite fille, je vais très loin, d'accord, et qui a tué volontairement quelqu'un, est-ce qu'il doit rester sur notre territoire? Qui a tué volontairement quelqu'un? Mais pour moi, il y a une loi. Qu'est-ce que dit la loi? En la matière, qu'est-ce que dit la loi? La position de l'ICNI, qu'est-ce que dit la loi? Si je la résume. Est-ce que vous pensez? Non, mais dans votre exemple, dites-moi ce que dit la loi. J'allais vers vous. Comme je suis extrêmement légitimiste et républicain, dites-moi ce que dit la loi. Attendez, je veux juste qu'on comprenne bien votre position. Je pense que je vais bien la résumer sans la fausser. Vous vous dites, à partir du moment où cette personne est condamnée par la justice, elle fait sa peine de prison, donc elle a purgé sa peine, elle a payé son dû à la société, hein, c'est ça ce que vous me dites, elle a payé son dû à la société, donc on n'a pas en plus à lui donner une seconde peine qui serait de la renvoyer chez elle quand elle a la famille en France. C'est ça votre position? C'est ça, et parce que je crois que quelqu'un qui fait de la prison peut être soigné, peut être réinséré, peut faire son mea culpa, peut présenter il comme c'est arrivé. Il a tué quelqu'un, il a violé une petite fille. Comme c'est arrivé souvent. Excusez-moi. Violer une petite fille, ça relève de la maladie, la pédophilie est une maladie. C'est pas moi qui le dis, ce sont des psychiatres. Je vais vous répondre. Ils sont en prison. Quelqu'un qui a besoin d'aide, et je pense aux victimes, là. Mais là, vous m'obligez à répondre sur le criminel, sur le pédophile. C'est quelqu'un qui est obligé. On doit le soigner, on ne va pas le tuer, sinon réinstallons la peine de mort, et puis on zappe le problème. On ne peut pas comparer la peine de mort entre renvoyer quelqu'un chez lui. C'est pas pareil, la peine de mort et renvoyer quelqu'un chez lui, vous êtes dans l'excès. Attendez, excusez-moi. Reprenons l'exemple de ce monsieur. Demandez aux parents dont les enfants étaient victimes de pédophilie s'ils n'ont pas envie de revoir la peine de mort. Demandez-la. Alors ça va. Non, votre argument, envie. Je vous le renvoie. Ils n'ont pas envie, mais ils n'ont pas non plus. Ils n'ont pas non plus envie. Vous n'êtes pas maman. C'est pour ça que vous nous dites ça. Attendez. Oh, l'agresseur de la fille sur le trottoir. Ludovic Toro. Alors, on se rend bien compte qu'il n'y a pas une seule réponse à mes questions, d'accord? Je suis contre la peine de mort et je vous le dis. Je vous dis tout simplement qu'un titre de séjour, c'est provisoire et on doit, à la fin de ce titre, le renouveler. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des conditions qui bloqueraient ce renouvellement? Je vous pose la question. Est-ce qu'on a besoin de violence dans ce pays? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Vous me dites que de pédophile, non, il est en effet, c'est un problème psychiatrique, mais il est emprisonné dans une cellule. Donc dans si une je prison. Poursuis dans votre logique, quelqu'un qui va en prison n'a pas de deuxième chance. Mais vous quelqu'un êtes... qui a été condamné, que ce soit pour deuxième chance, mais chez lui, il a une deuxième chance chez lui, pas en France. C'est pas une question de chance. Pas en France, en fait. Excusez-moi. Pourquoi pas en France? Parce qu'on l'accueille. Mais pourquoi? Parce que c'est un accueil. Expliquez-moi pourquoi, quand il sort de prison et qu'il a purgé sa peine, pourquoi
il ne serait pas l'égal de quelqu'un qui est français et qui pourrait reprendre sa place. Mais parce qu'il n'est pas français. Eh ben, écoutez, faites la distinction, moi je ne la fais pas. On parle de personnes qui ne sont pas naturalisées. Mais vous savez, c'est important ce que vous dites. Vous dites vous ne faites pas la distinction entre un français et quelqu'un qui a un titre de séjour. Oui. Pour vous, c'est pareil. En termes de droit. Oui, c'est exactement la même chose. Oui, sinon ça s'appelle de la discrimination et c'est dans le code civil et dans le code pénal. C'est pas de la discrimination. Jean-Marc, si vous faites la distinction et faites attention parce que là on est sur un plateau. J'assume ce que je dis. Si vous faites la distinction entre quelqu'un qui a un titre de séjour et quelqu'un qui est français, quel que soit le domaine, dans le domaine du travail, du loisir, devant la loi, etc., ça s'appelle une discrimination et c'est strictement interdit.